bien bonjour à toutes et à tous, CFM Grand, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière. Donc, comme vous le savez, on s'est arrêté où? Que je me souvienne, c'était ici là. Donc, ce qui s'est passé. Donc, Valenciennes, on a vu. En prolongation, on gagne 2-0. AG Auxerre, 5-1. Donc ça, c'est très bien. On a enchaîné là quelques matchs. Tirage du 11e tour de Coupe de France. On tape Lyon et on gagne 1-0. Donc, jusque-là, ça va. Saint-Étienne, on perd 1-0 à l'extérieur. Nantes, 2-0. Ça passe. Amiens, 0-0. Paris Saint-Germain, en quart de finale de la Coupe de France. On perd. Donc déjà, ça fait mal. 2-0, éliminé. Voilà, ça c'est fait. Marseille, 0-0. Match de merde, mais totalement de merde. Après, Guingamp, on gagne 2-1. Dans la douleur. Je peux vous assurer que c'est dans la douleur. Parce que on gagne 1-0, on revient à 1-1. Et après, derrière, on arrive à mettre le but à la 79e. Autant vous dire que c'était chaud. Après, match contre Brest, on perd 1-0. Là, c'est l'hécatombe. On est 5e en Ligue 1. On va aller voir ça directement. Donc voilà, on est 5e en Ligue 1. On a 2 points de retard sur le 4e et 5 sur le 3e. Donc c'est encore jouable. Malheureusement, derrière, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contre-performances en ce moment. C'est assez chiant. On peut voir que Coupe de France, on a été éliminé en quart de finale. Les attentes, c'était demi-finale, donc un petit peu nul. Et là, l'UEFA Europa League, on est en deuxième tour à élimination directe contre le Celtic. Franchement, on a de la chance. Il y avait quand même du gros bonnet et on a de la chance. On a Dodenhague, notre ancien club qui est là, qui va jouer contre la Lazio. On a encore l'AS Monaco. On a un gros Bayern Munich, Ajax qui va se jouer et un Manchester United, Séville. Donc en tout cas, nous, on va partir pour notre match. J'espère que l'épisode précédent vous a plu. On a quand même recruté du lourd. Malheureusement, voilà, Robert Lewandowski, c'est surtout pour faire un super sub. J'ai essayé de le faire entrer en jeu, ça n'a pas forcément marché. En tout cas, voilà. Les amis, en attendant d'arriver au match, ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de laisser le petit like, de laisser un petit commentaire. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, c'est Anthony Palissier, je crois. Désolé, poteau, de donner ton nom comme ça, mais je souhaite te remercier parce que à chaque vidéo que je sors, tu viens. Tu t'intéresses énormément à ce que je propose et je t'en remercie. Honnêtement, ça fait très très plaisir. Donc voilà, nous, on va passer au reste. Donc on va passer au reste. Je pense qu'on va faire Celtics. Nîmes, on va le simuler. J'aime pas trop faire ça, mais on va le simuler. C'est Nîmes, c'est un petit club. Derrière, on a le match retour contre le Celtics. Donc j'aimerais bien qu'on avance un petit peu quand même. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est assez compliqué. Alors, Monaco, France, ben on n'est que 2 clubs français, super. On est quand même favori, de très peu, mais on est favori. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. OG6, c'est Camus sur le côté. Ouais, le problème, c'est qu'on a énormément, énormément de blessés. Ça, c'est pas bon, ça, par contre. Que c'est pas bon du tout. Cornet, Sundel, Da Silva, Fritzen, Mejbri. Est-ce que ça serait pas plus judicieux de faire ça? Non. Non, non, non. Non, non, on va laisser comme ça, voilà. On a énormément, énormément de blessés. C'est chaud, ça, quand même. Et allez, on va partir pour le match. Oh, cette excitation. Da Silva Cornet, ok, ça, on est d'accord. On va leur dire. Ça, voilà.
Alors, me dis pas qu'ils vont faire une connerie d'entrée là. Ou je la sens. Je la sens la connerie. Oh, ça presse très très fort quand même en face. Allez, Mèchebris. Sur Cornet. Qui lance Camus. Qui revient sur Cornet. Qui revient sur Camus. Oh là là là. C'était moche. Bien joué. Allez, non, 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 non. Pas d'entrée. Pas d'entrée. Non. Oh putain, ils me font peur. Ils me font peur. Je rigole pas avec vous, ils me font vraiment peur. Surtout dans des phases comme ça là. Allez, putain. En plus, ils ont une très bonne équipe. Oui, bien joué, Peterson. Allez, Fritzen. Allez, mais sérieux. Heureusement que la vallée est là. Voilà, la Camus. Allez, proposer quelque chose. Bien, 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 bien. Oh oui. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. On va les féliciter. Allez. Ok, je les félicite. Et derrière, il y a une action contre nous. Brobé ? Mais non. Oh non, non, non. J'ai cru qu'il y avait une pénalty. Oh non, c'est compliqué. Compliqué là. Là honnêtement, c'est très serré des deux côtés. Oh là 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 là, ils ont envoyé des pastèques, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Allez, proposez quelque chose, merde. Oui. Oh oui. Oh oui. Hannibal Mèchebris. Hannibal Mèchebris qui vient nous délivrer là. 1-0 à la 28e. Ah oui, attendez, je crois qu'ils ont besoin de Brian Brobré. Pour les plus anciens. Attendez, on va mettre pause. Pour les plus anciens, Brian Brobré. Oh là 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 là, mon petit. Il a été prêté 3 ans. 3 ans dans notre club. Il nous avait fait une saison à 17 buts quand même. Ouais, l'année dernière, il a fait une très bonne saison aussi. 12 buts, 7,20. Et là, il fait aussi une très bonne saison. Attendez, on va voir s'il y a des informations sur nous. Non, 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 apparemment non. Bon, on va retourner au match. Allez, c'est reparti. Bon, ça c'est bien, on mène à la mi-temps. Alors, on va leur dire de continuer sur le rythme. Oh oui, oh oui, oh non, putain. Oh là, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Allez les gars, faites-moi plaisir. Ah, qu'est-ce qui nous a sorti le gardien? Ils ont quand même une putain d'équipe, hein. Samuel Kalou, ils ont Odegaard, Traoré. Ah, c'est pas mal quand même les Celtics. Hein. Allez, Sandel pour Peterson, pour Fritzen, et Fritzen qui vendange, comme d'habitude, comme d'hab. On va
va attendre un peu et on va le faire. On va faire nos changements. Il est hors jeu aussi. Allez, changement. Changement, changement. Allez, Brobe qui va sortir. Voilà. Brobe. Fritzen. Qui c'est que je vais faire sortir? Peterson ou Mejbri? Mejbri qui va sortir. On va faire entrer un Cyprien et. Est-ce que je donne du temps de jeu à. Ouais, on va lui donner un petit peu de temps de jeu. Voilà. À Laurent. Alors, faites pas les cons par contre. Hein. Oh, bien joué, Cross. Allez, Noir. Oui. Oh, ça c'était bien. Juste la punition qui pêche. Allez, ils sont fatigués en face. Pas prendre un but à la dernière minute. Attention. Allez, au jeu. Peterson pour Cornet. Pour Laurent. Corner. Oh putain, mais merde, tirer autre part que sur le gardien, merde. Bien joué. Bien joué l'interception de Laurent. Cross. Oh là là, c'est moche, c'est nul. C'est vraiment pas beau là. C'est la dernière occasion. Allez, c'est fini, c'est l'arbitre. Bien joué. Bien joué, les gars. Belle victoire. 1-0 à l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Très, très bonne chose. Hop là. Tac. Mais je prie, on va le féliciter. Voilà. Tac. On va juste simuler le match de Nîmes, parce que bon, c'est Nîmes Olympique. Et derrière, on va faire le match contre le Celtics. Que j'aime pas du tout être dans le top 5. J'aime être dans le top 3. Bon là malheureusement c'est la première saison, on n'a pas encore les automatismes. Mais bon. Dès que on va commencer à avoir un petit peu de temps, il va falloir que je bosse sur tout ce qui est tactique et tout ça. Je pense que cette tactique, elle marche pas avec, elle marche pas forcément avec avec l'OGC Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Gagner au but à l'extérieur. Allez, au revoir à Den Haag. Alors, le Bayern qui passe. Manchester qui passe. Les Wolves qui passent. Arsenal qui est en train de passer. Monaco 0-0. S-Roma 0-0. Allez, nous faut qu'on passe aussi. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Castagne, Mejbri, Vidicson. Je pense qu'on va la jouer un peu plus défensive. Voilà. Comme ça. Hop là, on va le mettre comme ça. Fritzen. Allez. Oh, ils ont pas mal de joueurs de Ligue 1. Hein.
Allez, voilà, on va partir pour le match. Mince. Bon, là, par contre, il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Allez, on va demander plus. Bon, et là, il se passe rien. Bon, on va pas s'en plaindre, mais... Oh, les gars, sérieux. On peut voir que Thomas met un doublé là face à Copenhague. Pas mal. Allez. Allez, Sendel. Fais partir Fritzen. Il est hors jeu, heureusement. Fritzen pour Fritzen, pour Mechbri. Les Mechbri là. Oh, la feinte. Allez, j'ai envie qu'on soit qualifié là. C'est le seul truc qui va là dans cette équipe. Allez, bon c'est la mi-temps, il s'est rien passé. On va leur dire que c'est décevant. Voilà. Oh putain. Bon, heureusement qu'on est dans une position assez défensive. Allez, Sundell. Putain, deux fois. Hein. Oui, bien joué. Allez, Castagne, fais la diff. Oui, oui, oui. Oh non, putain. Alors, tactique. On va changer ça. On va repasser dans cette formation-là. Tac. Schmitz qui va sortir. Non, on va passer comme ça. Voilà. Avec... notre petit Noah Cross, voilà, parfait, excellent, on va partir comme ça. Allez, c'est parti, confirmé. Là, si on prend un but, c'est 0-0, c'est tout à refaire. J'aime pas ces phases de jeu là. Ça encore moins. Allez les gars. Oh calme. Allez mais les gars. Oui bien joué. Sendel qui vient. Qui vient récupérer ce ballon. Oh, Cross qui le joue perso. Oh non, et là c'est mort. Heureusement qu'il y a une bonne défense derrière. Et le marquage, c'est pas ça du tout. Bon, faut qu'on fasse des changements là. Vidinsa n'est pas dans son match. On va faire ça, voilà. Comme ça. Allez, putain. Faut vraiment pas qu'on prenne de but là par contre. Au tout dernier moment là. Oh oui, Fritzen. Putain, bon, dommage derrière, c'est une fille de la merde. Allez, Fritzen. Oh, dommage. Dommage, dommage. Oui, oui. Oh non. Bon mais ça rentre pas encore. Aïe 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 aïe.
la dernière minute. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, comment perdre un match, voilà. En prolongation, bah c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, mais je brille, pour Auger, oui. Putain, heureusement que Régis Auger vient bien mettre cette tête là, parce que sinon on était mort dans le game, mort. Peterson est fatigué, Castan est fatigué, Cornet est fatigué. Je sais pas si j'ai le droit à un changement. On va faire ça, tant pis. Hein. Tant pis, j'ai pas le choix. Oui. Oh là 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 là. Pas de conneries, bien joué Fritzen. Allez, fais pas de conneries, OG. Je viens de marquer le but de la victoire là, pour l'instant. Oui. Oh oui. Oh oui. Putain, c'est le feu. Oh là, c'est le feu. 3-1. Ben oui, bien sûr qu'on change. Oh putain, je suis heureux là. Allez, cross. Allez, cornet, putain, là-bas. On est dedans, les amis. Oh oui. Oh, ouais, tout le monde. Heureusement qu'il est là. Oh putain, on est qualifié les gars. On est qualifié. Ça a été chaud. Que ça a été très très chaud. Mais on a réussi. Qui c'est qui est? Bon, la Roma ok. Et Monaco éliminé. Oh putain. Million. Ah ouais, on va le féliciter direct. Ah, il était monstrueux devant le but. Bon, j'aimerais passer au tirage au sort et après ça sera la fin de la vidéo les amis. Que après ça va être la fin de la vidéo. Allez, Bayern face au Wolf, Roma face à Manchester. Putain, il reste quand même trois gros clubs. Lazio face à... Oh putain, l'OGC Nice. Bon, on tape le Lazio, c'est pas mal. Et Arsenal, Bournemouth. On est le dernier club français en Champions League. Ah, c'est pas mal, hein. Que c'est pas mal, hein, franchement. Bon, Real de Madrid qualifié. Napoli qualifié. Liverpool face à la Juventus qualifié. Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid qualifié. Pour l'instant, le Bayern passe. Barcelone passe. Lyon passe. Marseille trépasse. Voilà. Bon, nous, on tape la Lazio. Eh bien, écoutez, les amis, ça va être simple. De toute façon, la Ligue 1, ça va être mort. Ça va être mort-mort. 50-50. Ça va être compliqué. Il va falloir que je prenne un peu plus d'avance sur Strasbourg, voire que je rattrape Monaco, mais c'est mort. Il reste 8 matchs. Faut qu'on fasse un sans faute. Donc bah écoutez, nous, donc, ce qu'on va faire là, ce qu'on va faire, ça va être simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Reims et Monaco hors vidéo. Après, on va faire Paris, Lazio en vidéo.
et Bordeaux Lazio en vidéo. Comme ça nous laisse le demi et la finale si on y arrive, ou sinon en fin de championnat Rennes et Lorient. Bon, les amis, c'était FM Grant, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et nous, on se dit, enfin, je vais vous demander de vous abonner, de liker et surtout de partager au max. Et on se dit à bientôt. Ciao.